Yo, what's up? Hey man, this is the police of Los Santos. Wesh wesh, comment ça va la street? Aïe aïe aïe! Aujourd'hui les amis, nouvel épisode très spécial de l'SPDFR. Je vous l'avais demandé dans le dernier épisode. Vous avez dit que ça pourrait vous intéresser. Alors aujourd'hui c'est un épisode vraiment... Je fais juste un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je respecte la police de tous les pays, sauf les pays en dictature. Je respecte tous les policiers. Tout ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est du second degré, c'est de la rigolade. Il y a seulement même pas 2% de la police dans le monde qui est comme ça, d'accord, et encore, tu sais, aux États-Unis des fois t'as des policiers, ils ont les casquettes à l'envers parce qu'eux ils ont d'autres droits, mais c'est pas pour autant que c'est des ripoux. Aujourd'hui on va faire un épisode spécial ripoux, où en gros on va que faire de la merde. On va être là pour contrôler n'importe qui, n'importe quand, pour rien, mettre des sanctions à la con, vraiment on va être des ripoux. Et ça commence par là, regardez, je me suis garé sur une place où je n'ai pas lieu d'être, voilà. Donc les amis, j'espère que cet épisode différent va vous plaire. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, épisode où nous sommes des ripoux, on va vraiment faire n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment sans prise de tête, à la rigolade, on va être des méchants policiers. Donc les interventions là, comme là, la Pacific Bank Heist, donc le braquage de la banque, on va pas le faire parce que nous sommes des ripoux, nous sommes des policiers un peu nuls, hein, déjà. Donc on va pas pouvoir s'occuper de ça. Donc on est parti pour patrouiller. Donc là, on va vraiment faire chier un petit peu tout le monde, ça dégage là, moi je vous le dis direct. Là, je suis de mauvaise humeur, je suis un ripou. Hé, ça dégage là. Police, casse-toi. Alors attendez, je vais préparer aussi mon dictaphone. Enfin, comment ça s'appelle là, le mégaphone. Voilà, j'ai préparé mon mégaphone dans la voiture, comme ça je peux crier sur n'importe qui. Hé, hé la gonzesse là. Hé la gonzesse. T'attends, hein. Hein, t'es mignonne, hein. Ça commence déjà très très mal. Allez, c'est parti, on s'engage et on va... Écoutez, on va contrôler quelqu'un sans aucune raison. Parce que là, par exemple, lui, il marche sur la route. Donc, on va pas le contrôler. Par contre, on va contrôler quelqu'un. Hé, hey, toi, madame. Police. Tu bouges pas, police, reste ici, là. Oh, bouge pas. Donne-moi tes papiers d'identité, là. Encore un policier ripou, il demanderait même pas les papiers d'identité. Ok, Sophie Parker, qu'est-ce que vous faites, là, Sophie Parker? Vous êtes connue des services de police, hein? Avec votre décolleté, là, faut pas s'étonner après, hein. Eh, on soit bien d'accord, c'est du second degré, hein. On est là pour justement dénoncer un petit peu Sophie Parker. Je sais même pas si vous êtes recherché puisque personne ne me le dit. Ah voilà, licence valide, pas de mandat d'arrêt. Bah alors, vous avez rien à faire là du coup, madame, c'est quoi ça? Request paid, check to dispatch, c'est quoi ça? Ah, et il y a eu plein de nouveautés, il y a des mises à jour tous les jours les gars, hein, sur LSPDFR, moi je ne m'en sors même plus. Bon, mais, madame, question, est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Vous avez bu 6 packs de bière? Ah ok, bah vous pouvez repartir du coup. Vous pouvez repartir, madame, bonne journée. C'est bon, elle a consommé de la bière, elle a dit, donc on peut la laisser repartir. Allez, ça c'est fait. Vous venez là, Eric et Antoine, c'est parti. Big up à tous les Eric et Antoine. Oh les gars, ça va me faire kiffer ce genre de vidéo. Alors vous m'avez aussi proposé, donc quand on refera des épisodes plus RP, où je serai de nouveau gentil, où je serai, voilà, où je serai indulgent, etc. Un bon policier. Vous m'avez proposé de faire des courses-poursuites, genre vraiment avec des... Que ça presque, tu vois. Alors pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. J'ai vu que Drixis, il en fait déjà, donc est-ce que ce serait considéré comme du plagiat, je ne sais pas. Mais pourquoi pas faire des épisodes consacrés uniquement à de la poursuite. Qu'est-ce qu'il nous fait lui devant là? Le mec il pile net sans aucune raison, c'est un bon gars lui. Allez, on va le doubler par la droite, hein, puisque nous on est comme ça. Alors, là on a des gens plus ou moins normaux. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend en photo? Hé hey! Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Tu trouves nos casquettes belles? Reste là toi mec! Hé, hey, tous les deux vous restez ici. C'est votre maîtresse ou votre fille? Allez, vos papiers d'identité s'il vous plaît là. Allez! Si jamais vos parents entendent ce que je dis, n'oubliez pas de repréciser que c'est vraiment fait exprès, hein, que c'est un épisode où je suis un policier ripou, hein, qu'on soit bien d'accord, pas qu'on croit que je suis comme ça dans la vraie vie. Hein. Greg Freeman, là, c'est quoi Greg Freeman? Très bien, et là, la jeunette, là, la dédette, là, elle s'appelle comment, là? Non, j'ai dit la dédette, tu connais tes papiers, toi, connard. Alors vous, madame, là, vous avez vos papiers? Alors? Attends, Lyon, Tara Lazo, Tara Lazo, là, pet check. Toi je t'ai déjà vu toi. Toi je t'ai déjà vu à quelque part toi, Tara Lazo là. Tara Tarlouze. Bon allez, vous êtes en état d'arrestation madame. Les mains dans le dos, vous êtes en état d'arrestation pour m'avoir mal regardé. Ça dégage. Allez madame, hop. Et tout ce que vous direz sera retenu contre vous bien évidemment. Allez madame, vous venez avec nous. On va aller dans la voiture. Voilà, vous mettez là derrière. Fermez votre bouche, vous avez rien à dire. Allez, ça dégage. Hop. Ouais, et puis vous là, monsieur, là, vous avez intérêt à mieux l'éduquer la prochaine fois. Hein. Allez, vous pouvez repartir. Vous pouvez repartir à pied, bien évidemment. Allez, ça dégage. Et tu me regardes pas comme ça. Dans ta gueule. Voilà. Allez, nous on y va. Fin d'intervention.
Les pompiers vont passer par là, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... C'est horrible de faire ça. Là, je suis vraiment... Mais genre, même les policiers ripoux, ils sont pas comme ça. Hein. Vraiment. Enfin, ça dépend desquels on parle. Bon, alors, Tara, on va où, là? Attends, elle est là, là. Tara. Ça va, Tara, là, derrière? Fais pas de bêtises avec mon collègue, hein. Bon. Tara, on va... On va te mettre... Putain, c'est un truc de ouf, en plus. Eh, j'ai vu... Bon, ça date maintenant. Mais il y avait un... des policiers... On va pas remuer le couteau dans la plaie. Des policiers français qui auraient... fait une sorte de kidnapping finalement, ils auraient arrêté quelqu'un pour ne pas avoir respecté le confinement et ils l'auraient emmené dans un champ, je sais pas quoi, et puis ils l'auraient abandonné, etc. Alors voilà, ce genre de choses, évidemment, il y a toujours des explications, mais ce n'est pas... Voilà, tout ne peut pas s'excuser bien évidemment, mais voilà, on respecte la police, franchement, voilà, c'est pas parce que ça s'est passé, peu importe les raisons, peu importe si ça a été... expliquer, justifier, pardonner, peu importe, voilà, faut pas avoir peur de la police. Hein. Alors, bon, madame, on va vous emmener ici, hop, tac, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ça va, elle est pas abandonnée ici, on va juste la mettre là près des poubelles. Voilà, hop. Allez, madame. J'ai mis où? J'ai mis de ce côté. Hein. Allez, vous sortez du véhicule, là, get up, stand up. Voilà. Alors, madame, on va faire comment, là? Je suis bugué. Ah. Alors madame, je suis bloqué dans une voiture. Ah c'est bon. Allez madame, vous allez venir avec moi. Hop, on va se mettre ici. Voilà. Vous vous mettez en face des poubelles. Je vais vous demander de vous mettre à genoux. Et puis vous allez attendre calmement. Allez, bonne journée madame. Voilà, ça c'est fait. Une bonne intervention de fait. Je me dégoûte les gars. Mais c'est pour la vidéo, hein. C'est vraiment pour la blague. Je me dégoûte. Allez, bonne journée, madame. Allez, ça c'est fait. Allez, laissez-nous passer. Hein. Nous, on est prioritaire. Hein. C'est la police. Hein. Allez. Ça dégage. Tu vois, pareil. Hein, si vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? Ils sont complètement fous dans cette ville ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Il se passe quoi, wesh? Je sais pas. Oui, du coup, voilà, encore une fois. Mais je pense que vous le savez. Mais sait-on jamais? Mais voilà, quand vous voyez des policiers griller des feux rouges. Je pense notamment en France, qui sont en train de bombarder, ou même s'ils y vont tranquilles. Les gars, c'est pas pour autant que, hein, ils sont probablement en intervention, ou alors ils doivent se dépêcher de rentrer à leur caserne, ils doivent se dépêcher d'aller à un point A à un point B, sans forcément mettre les sirènes, que ce soit pour ne pas se faire cramer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez volé une moto. Si vous avez volé une moto, et que vous entendez les sirènes venir vers vous, vous savez que c'est pour vous, donc vous allez partir. Alors que là, tu vois, lui là, ça se trouve, il va choper une moto volée, mais le mec en moto qui est à côté, il va pas le savoir que ils vont le... Enfin, tu sais ce que je veux dire? Donc voilà, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que là je suis en train de montrer une image évidemment très 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 négative de la police, très très peu probable, voilà. Je parle pas de violence policière, attention, ne mélangez pas tout, on est là pour rigoler, hein, qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Il roule n'importe comment? Bah c'est très bien ça, on va le laisser tranquille alors. Eh hey, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu me dis, what the fuck? Qu'est-ce que tu me dis, what the fuck? Eh hey, hey, casse-toi toi. Hop, ça dégage. Eh hein. Hey, police! Tu reviens, c'est la police! Allez, on prend un contresens. Arrête-toi! Ah, lui, on va le taser, les gars. Lui, il va pas se laisser faire. Eh! On tase! Ah, j'aurais pas dû faire de sommation normalement. Eh, c'est la police là, tu te relèves! Les deux mains en évidence, tu te mets à genoux là! Tu te mets à genoux! Mets-toi à genoux tout de suite! Oh, c'est sûr, c'est un pantalon volé, regardez comment il est chic! Ah, c'est ça, hein? Allez, hop! Tac, tu te relèves. Pas de geste brusque. Voilà. Attends, il faut que je sois encore plus méchant là. C'est pas bon là. Je suis gentil là. Allez hop. Hop, t'as plus de dos. Terminé. Bon, monsieur là, c'est quoi ça? On va vous fouiller, hein. Comment on fait? Je me rappelle plus. Ah, si, pas de donne de pète. Pardon, excuse-moi. Franchement, ça fait un petit moment que j'ai plus joué à l'SPD. Alors, sachant que je dois faire de la merde, je suis un peu perdu. Allez, on va te tripoter. Donc là, on imagine que je lui claque un peu le cul, etc. Hein, bien évidemment, très important quand on est un policier ripou. Alors, monsieur, on va. Maintenant c'est mon collègue qui va vous tripoter, très important, hein, maintenant que c'est moi qui l'ai fait, chacun son tour, on va vous toucher, très important. On va faire un petit pet check en même temps, hein. Soyons un petit peu sérieux, je rigole pas du tout. Il avait des cutters en plus sur lui. Monsieur, vous aviez un cutter sur vous? Bah c'est un état d'arrestation monsieur, venez on va aller au comico là. Sauf que ce qui sait pas, c'est qu'on va le laisser en pleine nature et on va le... Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, tiens, faut qu'on trouve... faut qu'on trouve un truc de bâtard à faire. Allez, nous on se casse. Par contre, j'ai ma vitre qui est cassée. Donc, comme tout policier ripou, on va la réparer avec le menu mode. Hein. Avec le mode menu.
C'est ce que tout le monde fait hein, dans la police ripou. Eh, collègue, tu rentres ou... Ok, bah va te faire foutre. Allez, ça dégage. Allez, collègue, comme ça, trop peu pour moi. Bon, allez, on va l'emmener au poste, on va rouler en contresens tout le temps. Eh, vous êtes sur la mauvaise voie, monsieur, là. Décalez-vous sur la droite, vous êtes sur la mauvaise voie, connard, avec votre SUV de merde, là. Dégagez. C'est drôle, ça, hein. Allez, on prend le terrain, le terre-plein central. Et nous, ce qu'on va faire, on va aller sur l'autoroute. Voie d'insertion juste ici. Hop, là, c'est pile l'endroit le plus dangereux. Voilà. Allez, tu sors. Ah bah ils sont pas drôles, ils sont en train d'attendre. Allez, regarde, toi tu te mets là, bam. Allez, et tu te mets à genoux. Voilà, et bonne journée, monsieur. Et nous, ce qu'on va faire... Attends, vas-y, viens, collègue. On est que deux, du coup. On va se mettre sur le côté. Et on va le regarder se faire écraser. Ah, il va pas se faire écraser à tous les coups. Hein. Ah, c'est pas rigolo. Bon, on va se faire virer, évidemment, hein, parce que là, il y aura des plaintes qui seront déposées contre nous. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah, il s'est trop bien roulé, lui. Attends, je vais l'aider un petit peu. Voilà. Ce sera plus simple pour lui pour drifter. Non, parce que je voyais, il voulait drifter, donc je me dis, peut-être il voulait plus drifter. Donc voilà, je lui crève un pneu, comme ça, c'est toujours plus simple. Eh, il roule super vite, le motard, là-bas. Ah non, 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 par contre, nous, on est là pour la sécurité routière aussi. Allez, on va interpeller l'individu. On va le calmer direct. Police, on s'arrête. Hop. Voilà, comme ça il arrêtera de rouler vite. Ça c'est fait. Ça me dégoûte ce que je viens de faire, mais vous savez très bien pourquoi je le fais. C'est horrible. C'est horrible. Vous savez que, tu sais, moi je me sens vraiment très coupable. Sachant qu'en plus elle est speedy FR, ça me tient vachement à cœur. J'aime beaucoup jouer le rôle de la police. Et du coup, voilà, avec tout le respect que j'ai pour la police, toute la passion que j'ai, etc., avec la gendarmerie, moi, voilà, même la police aux États-Unis, etc., genre, bah, j'aime trop bien faire les choses. Genre, être protocolaire, faire bien, être gentil, être méchant s'il le faut, être autoritaire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais être, voilà, être bon et faire ça, ça me dégoûte là ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est comme ça. C'était le but de la vidéo. C'est rigolo. Voilà, on slalom, hein. Nous on fait des... Oh, c'est une belle voiture. Tiens, on va faire un contrôle. C'est pour vous, on met sur le côté là, la belle voiture là. La belle voiture de merde là. On se met sur le côté, l'épave. Restez dans le véhicule. Arrêtez-vous, restez dans le véhicule, terminé. Ok, voilà. Bon, c'est une belle voiture qu'il a là, monsieur. J'ai pas la matraque sur moi, dommage. Dommage, j'aurais bien aimé faire un truc, mais on va le faire autrement. Bonjour, monsieur, là, ça va, c'est la police. Vous avez une belle voiture, là, dis donc. Bon, on s'en fout des protocoles, hein. On va pas fouiller, on va pas regarder la... Enfin, on va pas regarder la plaque d'immatriculation. On va juste un peu... Hop, voilà, pardon, excusez-moi. J'ai ricoché, pareil, là, ici. Ouais, non, c'est juste pour vérifier, en fait, monsieur, la solidité de la voiture. Là, pareil, ok, bon, c'est parfait. Ok, nickel. Ah, c'est juste pour... Pareil, voilà, non mais c'est bon. Donc votre voiture elle est en règle, hein. Elle est en règle. Est-ce que les rétroviseurs, attendez parce que je veux juste vérifier si les rétroviseurs sont en règle. Oh oui, je pense. Les pneus. Ah oui, non là monsieur va falloir changer le pneu arrière gauche par contre parce que là je pense qu'il a crevé. C'est pas bon là monsieur. Hein. Pareil, je pense celui de devant. Ouais, celui de devant c'est pas ouf. Bon monsieur, reprenez la route, soyez prudent. Et puis bien évidemment... Voilà, faites attention à vous et puis vos pneus faut vite les changer parce que là vous allez avoir des problèmes. Hein. Bonne journée monsieur, au revoir. Eh hey, d'où tu me renverses? T'as fait tomber ma casquette! Il a fait tomber ma casquette! Hop, une balle dans la tête, terminée. Hein. Eh hey, oh! Arrêtez tout! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça part tellement en couille. Et... Oh! Et Maurice il fait rien en plus hein! Ah, ça m'énerve. Allez, casse-toi là où je te bute. Casse-toi où je te bute. Eh, je t'ai dit de partir en plus. Je t'ai dit de partir. Allez, casse-toi là, casse-toi où je te bute. Allez, on y va. Tu viens, Régis? Je sais plus comment il s'appelle. Ah, maintenant c'est lui qui veut plus venir. C'est bon? Bon, la voiture en plein milieu de la route, y a pas besoin d'évacuer, voyons. Hein. Franchement, y a aucun problème. En fait, au fond de moi, j'espère presque que ça ne vous plaise pas. Parce que j'ai... C'est pas que j'ai pas envie de le refaire, c'est... ça peut être marrant en fait de faire le connard, hein. Mais c'est pas approprié. Genre vraiment ça se fait pas. On parle quand même d'un boulot qui sauve des vies, hein, disons-le clairement. Voilà, c'est pas non plus des pompiers, hein, bien évidemment, mais croyez-le ou non, les policiers sauvent des vies. Et c'est assez délicat quand même comme sujet. Je sens que la vidéo ne va pas être du tout appréciée par tout le monde. Ça va faire un bad view, un bad buzz. Ça va être incroyable.
Ah, pourtant, j'ai quand même mis plein de warnings hein, durant cette vidéo, hein, en disant que bien évidemment, c'est pour rire et que voilà, mais... Mais si vous voulez que j'en refasse, si c'est bien accueilli, j'en referai. Mais vraiment, toujours garder dans l'optique que c'est vraiment que pour rigoler et que ça reflète absolument pas la réalité, mais du tout, quoi. Vraiment, là, c'est un enchaînement improbable. Donc, hop, ça dégage, hein, il avait rien à faire sur ma route, lui. Oh, tu m'as rentré dedans, là. Il me tape un fuck, hein. Il m'a tapé un fuck. Arrête-toi, là, maintenant. Il me tape des fucks depuis tout à l'heure, gros. Hé, hey, toi, là. Sors du véhicule, là. Sors de ta voiture, putain, gros con. Sors de ta voiture, toi. Qu'est-ce que tu fais des fucks? Tu me rentres dedans, tu me fais des fucks. Te relève pas, je te dis. Te relève pas. Voilà. Ah bah, j'ai des collègues qui viennent m'appuyer, c'est bon, ça. Voilà. Te relève pas. Pourquoi tu souris pas? Bon, allez, c'est bon, on va arrêter, c'est pas cool. Allez, hop, ça dégage. Bon, la portière, elle m'emmerde. Attends, on peut pas arracher la portière, là? Merde, attends, je voulais pas lui tirer dans le zizi. Ok, hé hey, tu sors pas de ta voiture. D'où tu sors? Non mais ça va quoi. Bah allez, nous on s'arrache hein. Nous on a rien vu hein. Hop. Hé hey, d'où tu sors de ta voiture? Bon, mon collègue il se débrouille hein. Reviens. Ça va quoi. Bon. Et rappelons quand même qu'on est sur un jeu où à la base on écrase plein de gens hein. Je vous rappelle quand même qu'au début de GTA, quand c'était l'époque où en gros il y avait la vue en l'air, on gagnait des points en écrasant des gens hein. Franchement, c'est pour vous dire Donc si cette vidéo fait polémique, bah le jeu en même temps tu vois ce que je veux dire. Même si je sais bien ouais, on a tous fait le mode histoire et ce jeu est bien plus que d'écraser des gens, bien évidemment. Bon allez, tu viens, on sait pas ce qui s'est passé là, collègue. Fais pas le mec choqué là, c'est bon, viens. Ah bah si tu veux faire le mec choqué hein. Nous on n'est pas comme ça nous hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un sac en plein milieu de la route. Ah, on me signale que c'est une voiture qui a acheté le sac. Attendez là-bas. Ah, c'est la voiture signalée là-bas. Ok, ok. Bah vas-y hein. On va le féliciter parce qu'il a pollué. Normalement, si j'étais un bon policier, je l'aurais arrêté, tu vois, je lui aurais fait la morale. Mais là, c'est lequel? Celui devant là. En plus, il roule n'importe comment. Hé, police! Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. On se met sur le côté là, le SUV. C'est pour vous féliciter de votre bon comportement sur la route. Bonjour monsieur, c'est la police, alors on va pas vous embêter plus longtemps, en plus vous êtes nombreux, hein, on va vous laisser faire la fête. Mais voilà, on voulait vous, bah, vous féliciter tout simplement. Oh, ça sent en plus la drogue. Pourquoi vous êtes nerveux? Ça sent bon la drogue, est-ce que vous pouvez me filer peut-être un petit coup là, s'il vous plaît là? Non mais en vrai voilà, on voulait vous remercier pour vos bonnes actions, voilà, vous jetez des sacs sur la route, ça fait plaisir, et puis vous roulez n'importe comment. Donc bah voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. D'ailleurs, vous recevrez à la maison un chèque, voilà. Dans votre boîte aux lettres, ce sera pas un courrier, ce sera juste un chèque avec de l'argent dedans pour vous remercier. Allez, bonne journée. Ça dégage. Allez, viens, collègue. Ah bah, il est nouveau là, d'ailleurs. Je croyais qu'il était pas là. Eh, c'est interdit, cette coupe de cheveux, madame. Allez, là, madame, hop. Faut courir plus vite. Oh, c'est horrible. Les gars, c'est horrible ce que je suis en train de faire, hein. Mais je joue bien le rôle du flic ripou, quoi. Hein. Vraiment le flic qui n'existe pas, hein, dans tous les cas. Hop, ça dégage. Hein. Ça, c'est fait. Bon. On va arrêter là. Pourquoi ça court, là? Vous avez cru qu'il y avait un danger imminent ou quoi? Non, mais c'est un truc de ouf. On va s'en arrêter là, les amis. Vraiment, vous savez de ce que j'en pense, hein, de ce que j'ai fait. Hein. Vous savez ce que j'en pense de cette vidéo, de ce contenu. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Je ne cautionne pas du tout ce que je viens de faire, vraiment, et je ne cautionne pas ce que je vais faire non plus. Ah, il n'y a aucune réaction. Ah, il a les mains en l'air. Garde tes mains en l'air, toi. C'est bien fait, hein, quand même, hein. Police, tes mains en l'air. Tes mains en l'air. À genoux. Il a essayé de me fuir, hein. Pareil, le chien, là, les pattes en l'air. Non, ça marche pas. Voilà, bah c'est sur cette arrestation qu'on va mettre fin à cette vidéo. Le petit chien, on va pas lui faire de mal. Par contre, le monsieur, une petite patate. Non, tu te relèves pas par contre. Voilà, reste par terre. Non, tu restes par terre, je t'ai dit. Tu comprends? En plus, tu sais, il se relève comme un dindon, truc. Par contre, ton chien, c'est pas un berger allemand. Hein. Il s'en fout, hein. Il veut pas te protéger. Hein. Hop, dans ta... Allez, va chercher de l'aide, toi, petit toutouf. Bon, les amis, c'est horrible ce qui s'est passé. Voilà, pas de commentaires en... Enfin, pas, d'accord, pas de... Hein, tranquille, dans les prochains épisodes, on sera de nouveau cool, parce que c'est n'importe quoi, je ne cautionne pas ce que j'ai fait, sachez-le.
Et ben rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux que conclure comme ça. Je peux même pas vous demander de mettre un pouce bleu. C'est vraiment voilà, si vous voulez mettre un pouce bleu, mettez-le. Mais c'est ignoble de demander un pouce bleu après tout ce que j'ai fait quand même. Donc je vais pas le demander. Si vous voulez le faire, parce que bah voilà, de base mon contenu est quand même bon enfant à la base. Hein. Donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve quand même pour la prochaine vidéo. Hein. Big up ceux qui m'ont découvert à travers cette vidéo. Je m'en excuse. Ça va faire polémique les gars. Oh là là, j'aime pas ça. Bref, c'était Mkolo. Rendez-vous pour la prochaine vidéo positive. Hein. Ciao ciao tout le monde.